Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici donc quelques images pour vous permettre de raviver vos souvenirs sur ce trail. Et en plus, c'est la première édition d'une épreuve que David Leclerc et son équipe ont produit pour vous permettre d'avoir du plaisir dans votre passion. Ils sont aussi des amoureux de la course à pied et du trail en particulier. Trois parcours qui ont séduit les participants qui sont venus relativement nombreux, plus de 800 pour se rassasier sur ces itinéraires à dénivelé surprenant en opposition à cette région plutôt plate. Voyons voir. SNO, Sport Nature Organisation, trois parcours donc 15, 25 et 50 km. En réalité, ça faisait un peu plus sur le terrain. Le départ de ce dernier était donné aux Andelys du côté des ruines du Château Gaillard pour un très beau circuit offrant une vue sur la vallée de la Seine selon que l'on soit à niveau ou en hauteur, car c'est plus de 2000 mètres de dénivelé positif qui attendait les trailers. L'épreuve comptait pour la qualification pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB comme on dit dans le jargon, est parrainée par un athlète bien connu dans le milieu. Il s'agit d'Aurélien Collet qui a gagné d'ailleurs avec une large avance en 4h15 en laissant près de 20 minutes à son second qui est Nicolas Prin, et le troisième termine avec un parcours en 4h36. Il s'agit de Guillaume Tirel. Première participation dans cette course forcément parce que c'est la première édition. Voilà, alors comment vous avez vécu ça alors? Super, ça pique un peu. Hein. Les montées, on ne s'attend pas à ça. Ça monte sans cesse, belle descente et un panorama sur la Seine qui est génial. Il y avait 15 km mais vous êtes attaqué aux 24 km, vous êtes plutôt longue distance. 25 km, ouais, 25, j'ai 26, ouais, exactement, ouais, 27. Ouais. Avec les côtes, les belles descentes, le dénivelé, c'était très technique, il y avait pas mal de cailloux, de racines. On n'a rien à envier à certains coins de montagne, hein, réellement, hein, là, franchement. Vous avez géré le début ou vous êtes parti relativement vite? Je suis parti tranquille, c'est après sur les montées, c'était plus sympa. Ça prochainait un petit peu. Prochain objectif, ce sera l'année prochaine pour le Maxi Cross. Vous faites ça vraiment pour le plaisir alors? Ouais, tout à fait, ouais. Avec Sport Saint-Clair. Arrivée de la course des 15 km, il s'agit de Quintard Jonathan. C'est un non-licencié, il réalise son parcours en 1h19. Il est suivi de Thomas Ronan, d'ailleurs les trois concurrents sur le podium sont à 19 minutes. Thomas Ronan de la Ligue Alsace qui termine à 1h19 et 45 secondes. Et Guillaume, le comte Guillaume de l'ES Omal, 1h19 et 54. Parcours technique avec des très très grosses côtes. Dommage que mon collègue a eu quelques soucis de souffle parce qu'on a dû s'arrêter plusieurs fois. Et après les deux personnes de devant... Elle est un peu trop vite sur la fin, j'ai pas réussi à remonter sur eux. J'ai fait mon maximum, mais trop rapide devant après. Merci. Il y avait plusieurs distances, pourquoi avoir choisi les 15 km? Vous êtes plus dans les courtes distances, rapidité? Pour le moment, je m'entraîne beaucoup sur du court, j'ai fait quelques marathons, mais pour le moment, je préfère faire du court, je me sens mieux sur du court, et puis
On est venu à 4 entre famille et amis pour faire le 16, donc on s'est éclaté sur le 16. D'accord. Moi j'ai fait un peu de route parce que je viens de Strasbourg, mais bon j'ai de la famille ici donc je connais un peu le secteur. Donc moi la stratégie était simple, je me suis dit je pars à fond, c'est ma stratégie à chaque fois, donc j'ai mis tout de suite 100 mètres d'avance sur les 2-3 premiers kilomètres. Je suis resté devant du coup tout seul jusqu'au 12e, le premier mon collègue qui m'a doublé dans la dernière montée. Puis je me suis dit j'attaque dans la descente, je donne tout, j'attaquais dans la descente, je lui ai remis 100 mètres, puis après on est arrivé sur le plat, on est arrivé sur le pont, on nous a dit vous devez marcher, et après on est obligé de marcher sur le pont parce que pour des questions de sécurité, et là donc on a marché 500 mètres, et quand il a fallu repartir derrière, mon collègue est parti un petit peu vite pour moi, j'ai commencé à avoir des débuts de crampes au mollet à cause du fait d'avoir marché je pense, et du coup bah, après j'ai suivi, j'ai juste anticipé le retour du troisième, mais sinon parcours vraiment... très sympa, très sympa dans les descentes, les montées bien raides, que du sec, montée raide, descente raide, bien roulant, beaucoup de vent là-haut, mais sympa. Franchement, super parcours, super orga, l'arrivée top, ça donne envie. Je suis pas très forte en longue distance, donc voilà, j'aime bien les vite. Alors quand vous avez commencé votre course, comment vous l'avez gérée? Bah, je suis partie vraiment tranquillement. Et puis en plus, ça a commencé vraiment par une côte très dure, donc voilà, je me suis vraiment lâchée à la fin seulement. Vous en faites souvent durant l'année? 5-6 par an. Et dans la région? Oui, dans la région, oui. Ouais. Vous êtes dans quel club? Vous êtes dans un club? Je suis pas en club, non. Alors comment vous avez géré est-ce que vous étiez à vue de vos copines devant ou pas? Non, en fait, je cours avec des copains qui étaient devant la plupart du temps, en fait. Et la deuxième m'a servi de lièvre, puisque en fait, je me suis calée un peu sur son rythme et on se suivait toujours plus ou moins, ce qui m'a permis de garder en fait le rythme. D'accord. Alors, vous en faites aussi souvent Non, c'est mon premier trail. D'accord. Sinon, vous faites aller. Mais je cours régulièrement, mais comme ça, sans compétition en fait. Je fais non, avec des copains, mais je fais plutôt moi des semis, mais en plat plutôt. Enfin voilà, je fais plutôt. Donc là, c'était mon premier trail. Je suis contente. Vous avez tout donné ou vous avez y a encore de la réserve? Il y a encore un petit peu de réserve mais pas grand chose. J'ai terminé la réserve. Elle est finie la réserve. Donc pour Jean-Ami Benoît, le corps du 27. Après les podiums Gravigny l'année dernière, enfin au mois de mai, sur le podium également du Friday Violette, il a remporté quelques belles victoires, des rêves encore s'imposer sur cette première édition du 24 km, Jérémy Benoît du Rêve 27. Oui, en effet, l'arrivée de la course des 27 km avec Jérémy Benoît. Du rêve 27 Passy-sur-Eure, il termine son parcours en 2h13 minutes et 10 secondes. Là, il va tourner à droite, donc pour arriver, il reste 50 mètres à faire. Et c'est le succès, la suprématie pour lui. Il devance Guillemet Damien, qui est pas très loin. Il termine, lui, à 2h14 minutes 55 secondes. Et la troisième place, il est non licencié, Guillemet Damien. Et la troisième place pour Jolal Chem, il est du club VDR Triathlon. Jolal Chem, un habitué à un challenge des quatre communes, Jolal Chem qui vient chercher une très belle troisième place.
Bravo. C'est mon seul sport, ouais. Au début, je l'ai choisi parce que ça prenait pas beaucoup de temps. Et puis, finalement, ça me prend tout mon temps libre maintenant. Je reviens sur des formats 25, des formats que j'avais tendance à privilégier l'année dernière, même si j'ai fait des choses un peu plus longues cet été. Je manque un peu de caisse, mais je suis satisfait quand même. C'est une victoire. J'en ai pas beaucoup. Oui. Souvent, j'ai des places de 2 ou sur des formats comme ça. Ouais, bon, là, ça va. Je suis content. On a creusé le trou avec le deuxième, donc je le connais. On s'est rencontré il y a 15 jours au Trail des Îles. On a eu le même format de course. Il avait mené les 12 premiers kilomètres avec le VTT. Et puis finalement, je l'avais rattrapé et c'était sur une portion de plat. Et bon, il manquait un peu de caisse. Et puis donc je savais à qui je m'adressais. Je manquais un peu j'étais pas super bien dans les premières bosses, mais j'étais pas au taquet. Et puis je savais que c'était pas trop la peine de prendre trop de risques. Après je savais que sur les 4 dernières portions de. J'ai joué la gagne. Ouais, amplement satisfait. Je m'attendais à ce que ça soit dur sur la fin. Effectivement, ça a été vraiment très dur sur la fin. Il m'a manqué, on va dire, 5 km pour finir avec le premier. Mais bon, ce n'est que partie remise. C'était un super trail. La saison débute ou bien vous êtes en cours de saison là? En fait, ma saison a été un peu tronquée parce que j'ai été blessé à la clavicule. Je me suis cassé la clavicule au mois de juin. Donc du coup, la saison était un peu gâchée par cette blessure. Donc là, j'ai repris le sport au mois d'août. Donc du coup, là, je suis en phase plus ou moins de reprise. Donc c'est pour ça, pour une reprise, je suis plutôt satisfait du résultat. Ouais. Sinon, c'est votre spécialité, les 25 km trail, ou vous pouvez en faire plus? En fait, à la base, je suis vététiste. Et puis après, je fais aussi un peu de triathlon, un peu de etc. Et en parallèle, je fais aussi un peu de trail. Donc du coup, je suis un peu omnisport, on va dire. Et j'aime bien un peu toucher à tout. Et le trail fait partie des disciplines que j'apprécie. Alors le parcours, vous êtes de la région, vous connaissez la région? Oui, bien sûr, je suis de Rouen en fait. Donc du coup, je connais très bien le coin, la région, ouais, tout à fait. Donc la prochaine mission, je dirais, le prochain objectif? Ça va être le cross duathlon du Bois du Roule. Je sais pas si vous connaissez un peu. En fait, c'est à Darnétal. C'est un cross duathlon, donc en fait c'est trail course à pied, après VTT et après retrail. Puis après j'aimerais faire aussi quelques 10 km. Alors troisième sur le podium. Oui, je suis même surpris parce que je prépare pas du tout le trail en ce moment. Je prépare un semi dans 3 semaines. Donc les sensations étaient là. J'ai pas trop compris comment j'ai fait pour revenir troisième, mais ouais, ça passe, alors tant mieux. Voilà. Alors tu cours souvent dans la région? Ouais, je suis de Dieppe. Je suis de Dieppe et puis je cours dans l'heure assez rarement quand même, mais il y a un copain qui avait décidé de le faire, le 50, alors je me suis dit bon allez, tu vas faire le 25, 50 c'est trop long pour moi. J'essaie de courir 60 km par semaine, et puis ça dépend des fois, en fait je cours pour aller au travail, simplement. J'utilise les trajets comme je peux. T'as un gabarit de sprinter là, comment tu arrives à aller faire les 15 km? Bon, c'est ce que tout le monde me dit, même de rugbyman des fois. 24 km. Ouais, mais c'est ce qu'on me dit, j'ai quand même des bonnes jambes, mais c'est vrai que c'est un handicap quand même certaines fois contre des gazelles, mais bon, on fait comme on peut. Pour le trail, c'est pas si mal que ça en fin de compte. Et en plus, c'est pour le plaisir, le plus grand plaisir. Ah ouais, bah complètement. Là, c'était pour m'amuser. J'ai profité des paysages, c'est une belle course avec beaucoup d'organisation. Justement, le paysage, comment tu trouves alors? Ouais, c'était magnifique. Ouais, franchement, les belles vues sur la vallée de Seine. Je connais un petit peu par là parce qu'il y a ma belle famille qui habite, mais c'est vraiment sympa. Je termine donc cette première vidéo avec le podium des 27 km. Jérémy Benoît, donc victoire, Guy. Damien Guillemet en deuxième, à la deuxième place, et Shem Jalal à la troisième place. Une prochaine vidéo donc pour conclure cette petite série de deux réalisées sur le trail des deux amants, le trail des Rois Maudits, la première édition de ce trail qui a connu un succès formidable, plus de 800 participants.